m'appelle Soli, je suis compétitrice body fitness. Je prépare une compétition au Québec prévue pour le 28 avril 2012. Je suis la première Martiniquaise à me présenter à ce type de compétition. Je me présente à ce concours parce que j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé comprendre comment le corps fonctionne, comment on arrive à avoir les résultats qu'on a envie d'avoir. C'était une suite un peu logique pour moi pour pouvoir montrer un peu le résultat d'une alimentation équilibrée, d'une pratique sportive régulière. Mais voilà, on a des résultats et puis c'est intéressant pour moi de pouvoir le montrer, non seulement ici en Martinique, mais aussi dans le monde entier. Il s'agit de se réveiller tous les jours à 5h du matin. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit, on jeûne et il faut absolument pouvoir donner à son corps tous les nutriments dont il a besoin et ça le plus tôt possible dans la journée. Je suis un programme alimentaire très strict, limite scientifique. Toutes mes portions sont rationnées, c'est-à-dire j'ai un nombre bien déterminé de glucides, de protéines et de graisses que je vais manger par repas. La séance cardio, ça consiste en quoi? Ça consiste en un minimum d'une demi-heure. C'est toujours mieux à jeun d'activités moyennement intenses. Ça peut être de la corde à sauter, ça peut être de la course à pied. Ça peut être aussi du vélo, faire du vélo en salle ou bien marcher sur le tapis de course. Tout ça pour pouvoir éliminer la graisse qui est en fait un peu installée au niveau de la taille, au niveau des fesses, le tour, la culotte de cheval pour les femmes. Donc tout ça pour pouvoir éliminer toutes les graisses, il n'y a pas mieux. Au petit déjeuner, je vais avoir mes protéines, donc avec en général du blanc d'œuf, que je vais mélanger dans un shake pour aller plus vite, avec soit des pommes, des pruneaux pour les fibres aussi, une banane bien sûr. Il y aura aussi un peu de cannelle pour agrémenter tout ça, ce qui est très bon aussi pour le flux sanguin. Je fais en sorte d'avoir tous mes nutriments compacts dans un shake. Ça va beaucoup plus vite, comme ça je peux partir avec si j'ai des choses à faire aussi. On a tendance à manger plus qu'il n'en faut. Quand on sait qu'on a tout mis dans un shake, c'est-à-dire qu'il y a tout ce dont on a besoin, on sait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher en plus. L'entraînement musculaire se passe en salle. Je vais en salle 5 fois par semaine. En moyenne 2 heures par session. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. J'entraîne différents groupes musculaires à chaque fois. Ça peut être les cuisses, un autre jour ça peut être le haut, les bras, d'accord, le buste, le dos, mais en tout cas tous les groupes musculaires sont entraînés. C'est pour avoir une finesse, une beauté générale, une symétrie aussi, c'est exactement ce qu'ils recherchent pour la compétition. Au déjeuner, pareil, j'ai toujours mes rations bien calibrées. Donc ça ne change pas. Au déjeuner, j'aurai souvent du poisson ou du blanc de poulet grillé. On évite les plats en sauce hein, pour ne pas avoir un excès de graisse inutile. Beaucoup de patates douces, de thym. J'essaie de manger local, j'essaie de manger ce qu'on trouve en Martinique parce que c'est très bon. Je peux dire aux femmes, c'est tout ce qu'on va gagner, des sacrifices qu'on peut faire au niveau alimentaire et au niveau de la pratique sportive qu'on va faire, parce que c'est difficile, c'est dur. Mais je veux dire aux femmes que tout ce qu'on gagne à faire tout ça, c'est
Il n'y a pas de mots. On se sent femme, on se sent heureuse, on se sent vive, on a beaucoup d'énergie. C'est un style de vie, le style de vie fitness que j'aimerais que beaucoup de femmes puissent embrasser. Donc je ne peux qu'inciter les femmes à pousser cette porte, à voir ce qu'il y a derrière, à essayer, ne serait-ce que deux fois par semaine, à faire un peu de sport. Et puis bon, à essayer de surveiller leur alimentation, même si on peut se faire plaisir, moi y compris, mais à surveiller un peu l'alimentation. Et je crois que les résultats qui sortent de tout ça valent la peine.